Noi kakpo okwisi mogo si ago. Ebe mi den won pe afoto. Dey o asan mi trolo bazon be o. Asuti o de sugbon ba pe bo modo yin igoko na isan pe nu mi agbo. Be san pe kaka be ma gbo a. E da lo si kan ti mi. Azan lu pe ti bi ngbon do to pe ba ogoro ni. There's another bonus, I may make Nigeria. Metronado Fidan, son of Babana came in. No matter for dated on me, I suit you the sweat on middle. Met your level bluff your document me by was on me. A cusso came you. I suited the sojourn of Portam by Watundo. I suit you on Metchelever Zombo. Metchelever do I say, bluff your document me. Many are think them. Many of us were made a Vulano Zumidona. Ce fils obstétrical survient, comme je l'ai dit, au décours d'un accouchement difficile. Ce sont des femmes qui, pendant la grossesse, n'ont peut-être pas eu une surveillance qu'il fallait pour dépister ou détecter les difficultés de progression du fœtus et qui sont entrées en travail. Et le travail est resté très prolongé parce qu'il n'y a pas eu de progression donc, pour l'expulsion du fœtus. La fistule est un handicap qui survient chez des femmes souvent démunies, relativement jeunes, dans des environnements assez défavorisés. La réaction de l'entourage, que ce soit la famille, la communauté en général, les amis, par rapport à une femme qui présente une fistule obstétricale est très variable d'une région à l'autre. Mais le plus généralement, il s'agit d'une réaction de rejet. C'est une femme qui est malheureusement rejetée d'abord par le mari, qui dans certaines contrées va juste prendre une autre femme, va les abandonner. Et dans certaines communautés, elle ne peut même plus préparer à manger parce que les gens ne vont pas manger ce que prépare une femme. Come, yeah, dig work. Me and Amurata, your man, common woman in India, me. Can embarrass no can embarrass. Tomba men and undore me. Nan yaw door, nan Kuramoto, Cabarate. Tommy, yea, man, dear mammy, Mungahana, man, dear mammy, but then an Akawamini. In a no echo. You can an echo, Russo, no one. Tomba, my men, and Turami. Torturon, and they say, by here, no me. Sare go wa yin ka mi ni gun to mi ayo ma gbira mi na o ma mi ho awon e gun yan mi ve mi kaka bo no ti no jogbo jogbo ka mi no gbo ja fi ati bo de do wa yin na pelu ma wo turo lo le bo no gbo ku ayo gun wa mi re ona bi ti kwa mi kun do mu ba yin zan do ma yin bi o ko so ke do kun do mi le su kun jo mo ku esi en do mi tambo ni no wa le nsun su no what's up with me more and more. Brown who be other can touch it is another and a photo benefit. Long put on another benefit, but they are known. Kakaba, when I met them, all the other one. Since some cagosin home at the uncle Samuel, poor Mimi Picalucuo, I could not can a gallon may overlap on your level, Jeji. Razon, where's on Bonwardo, Leboma, so I do a query, you know what, Jonah, as always. Les femmes portées de fils. Ce n'est pas... Elles viennent toujours dans un état soucieux. Elles sont anxieuses. C'est des femmes qui... Tu sens qu'elles ont perdu quelque chose dans leur vie. Là, il y a un anti aminka. Il y a un fou bichi que ama mi ofa gol le gol la nomi. Ama il y a un fou bichi que dunia le fou banila be un fou. Jido anfu do ko benne ambisa ni bo wala ma jido anfu aniti anitando anya banila be ambefu to batake anfu odo lubunu sa joni ke bun gida leje holli angike on pabo joni kanko bi mi mi jaman laabi fa mi yita laawo muɗum min do paabuɗo ngan Allah walla on paabuɗo ngan e maggu ɓenne an heɓa feewa mi ɗaano min do mi ñaama kaji ɗo. L'hôpital vient de fêter 50 ans, donc l'hôpital est bien connu, donc les femmes aussi viennent à cause de cela. Depuis longtemps, on prenait en charge les femmes porteuses de fissures. Nous prenons aussi les cas complexes et là ça permet de susciter les cas qui n'ont pas réussi ailleurs de venir tenter aussi leur chance ici. Il y a des ONG qui sont parrainées aussi par le UNFPA, qui font la recherche de ces femmes qui se cachent aussi. Voilà d'autres raisons qui amènent que les femmes sont de plus en plus aptes à venir se faire traiter. Cette mission en cours ici au Bénin, à Bendereke, est en réalité le prolongement d'une initiative qui avait déjà été initiée depuis bientôt 2 ans par le ministère de la Santé de la République du Bénin en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Il s'agissait en réalité de proposer des missions de formation dans le but de renforcer les capacités de praticiens béninois qui sont soit des chirurgiens, des gynécologues, des urologues, mais qui n'étaient pas habitués à la réparation de la fistule. Elle a accepté de venir, à quelque part, elle a espoir de guérir. Donc avec le contact des ONG, aussi le soutien des pasteurs et les sages-femmes, elle est rassurée. Si elle est guérie, la différence est nette. Il y a une femme là, qui elle devient toute joyeuse et elle est folle de joie, elle ne s'en revient pas. Elle n'a rien payé et puis elle est guérie. Donc vraiment, il y a une grande différence. Elles sont dans la joie, c'est l'euphorie, ça devient même plus qu'une folie. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons été en train de se faire. Il faudrait aussi définir des stratégies de réintégration sociale des femmes qui, malheureusement, étaient pour la plupart des femmes pauvres et même guéries, elles vont rester pauvres. Et si elles restent dans la pauvreté, les mêmes conditions vont aussi amener qu'elles peuvent faire d'autres fistules. Donc en essayant de mettre en place des stratégies pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus, elles vont être peut-être beaucoup plus autonomes, plus indépendantes. Et ces femmes-là pourront éviter encore d'avoir des fistules. Mais elles pourront aussi contribuer dans leur communauté à la prévention pour que d'autres qu'elles ne puissent pas présenter des fistules. La réinsertion est une activité vraiment salutaire pour les femmes. Dans ce sens que l'ONG les accompagne à réintégrer leur famille, leur communauté. Et le fait que l'ONG organise des séances communautaires dans la localité des femmes pour dire à la famille, à la communauté, que ces femmes qui souffraient de fistules sont désormais guéries et qu'elles ont retrouvé leur dignité et qu'elles peuvent mener leur vie comme bon leur semble est une chose vraiment salutaire et appréciée par les femmes elles-mêmes et par l'entourage de la femme. Les 2 ou 3 femmes à qui nous avons fait la réinsertion, la communauté les a acceptées on a organisé une grande fête. Et ce jour-là même, le mari s'est remarié encore à sa femme. Parce que quand la femme avait eu cette affection, les beaux-parents l'ont renvoyée de la maison du mari. Lorsqu'elles sont traitées, qu'elles sont guéries, alors leur mentalité change. On voit en elles les femmes vraiment qui, du coup, reprennent goût à la vie. Cet espoir qu'elles avaient perdu, elles la reprennent. C'est des femmes qui deviennent, qui retrouvent le sourire, elles sont souriantes, elles deviennent plus ouvertes sur le plan de la communication. C'est des femmes qui sont reconnaissantes aussi et qui ont plein de projets sociaux, de projets de matrimonial. Vous voyez, une femme qui avait perdu l'espoir de fonder une vie de couple, du coup, quand elle guérit, elle dit « Ah, mais c'est là, maintenant je suis capable de fonder une famille, d'avoir des enfants, de faire des activités comme toutes les autres femmes. » Donc la guérison les aide à se réintégrer spontanément dans leur société. Toutes les activités qu'ils avaient abandonnées auparavant, elles les reprennent spontanément, elles reprennent leur vie communautaire en assistant au mariage, aux cérémonies de baptême, les différentes cérémonies sociales auxquelles elles étaient bannies à cause de leur maladie.